Les amis, apparemment un caméraman géant a été aperçu dans ma ville. Alors ça m'étonnerait que ce soit un caméraman, mais en tout cas il lui ressemblait énormément. Donc on va tout de suite partir à sa recherche. C'est pourquoi j'ai pris mon minibus. Malheureusement j'ai pas du tout d'essence là-dessus. Enfin si, il me reste plus que... Enfin pas beaucoup d'essence. Donc je vais tout de suite me récupérer un petit bidon d'essence. Voilà, c'est parti. Hop, on se met un peu d'essence dans le réservoir. On fait en sorte de faire le plein. Ouais, je pense que ça suffit largement. Puisque là, on a près de 10 000 litres. Ouais, 10 000 litres, ça fait le taf. Voilà. Donc, on va tout de suite se balader dans la rue. Bon, j'espère ne pas faire de mauvaises rencontres. Donc, les amis, si vous voulez pas que je me fasse tuer, mettez tout de suite un gros pouce bleu sous la vidéo. Et si vous voulez pas vous faire tuer, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. Bon, allez, on se balade. En tout cas, autour de chez moi, ça a l'air d'être sécurisé. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se balader dans le quartier. Voilà. Donc, normalement, le personnage qui a été aperçu est bien géant. Donc, on risque de l'apercevoir très facilement. Voilà, donc on essaie de voir ici dans cette rue s'il serait pas passé par là. Donc il n'y a pas vraiment de dégâts causés. Ouais, il n'y a pas du tout de dégâts causés. Donc je pense qu'il est peut-être pas passé par ici. Voilà, vous savez quoi, on va prendre notre gauche et on va essayer de voir du côté du McDonald's. Est-ce que on voit un personnage géant? Non, pas de personnage géant. C'est quoi? Je descends de la voiture. Ça sera beaucoup plus simple. Donc on essaie de regarder de ce côté. On n'a rien du tout. De ce côté là non plus. Ouais bon. C'est quoi? On va tourner à gauche. Hop. Et on va essayer de voir de ce côté là. Peut-être que derrière ces gros bâtiments... Oh! What? Attendez les amis, regardez. Mais c'est qui lui? On dirait un caméraman. Non, c'est pas un caméraman. Vous avez entendu? Les amis, si vous connaissez ce personnage, dites-moi son nom dans l'espace commentaire. Et je mettrai un super like à toutes les personnes qui ont eu bon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'approcher, voir ce qu'il fait. Voilà, on va pas trop se rapprocher non plus, puisque ça se trouve, il est méchant. Hop, vous savez quoi? On va se garer dans le parking, juste ici. Voilà, hop. Je pose ma voiture là dans le parking. Ok, let's go. Ok les amis, on va essayer de s'approcher pour voir qui c'est ce personnage et qu'est-ce qu'il est en train de mijoter. Ok, le voilà. Je crois qu'il est en train de tirer des missiles. J'ai l'impression qu'il est en train d'exploser la ville. Attendez, mais je crois que c'est un méchant. Vous savez quoi, on va essayer de l'arrêter. J'ai qu'un bidon d'essence, mais il va falloir que je l'arrête, puisque s'il continue comme ça, il risque d'exploser toute la ville. Wow. Ah, mais t'es qui, toi? Oh, toi, le géant personnage. Quoi? Quoi, Koubé? Pardon. Non, c'est bon, je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais à ma ville, là? Ma belle ville, elle était super belle, là, t'es en train de la mettre en feu. Pourquoi tu fais ça? Mais pas du tout, je suis en train de la défendre, ça se voit pas. La défendre? Bien sûr, tous les Skibidi sont en train de l'attaquer. Je me demande où est-ce qu'ils sont, les caméramans. Mais t'es un menteur, tous les Skibidi toilettes, je les ai tués et il y en a même plus. Je suis sûr que tu mens, t'es un méchant. C'est pas possible, tu peux constater par toi-même, doit y en avoir quelques-uns par là-bas encore. Bon bah ok, je vais vérifier. Par contre, moi je te dis direct, hein, s'il n'y a pas de Skibidi toilettes, moi je te balaye et hop, tu tombes par terre. T'es sûr? Je pense que ça sera plutôt l'inverse. C'est vrai que vu la taille les amis, je pense que je devrais plutôt me calmer puisque regardez. Ah ouais, je fais à peine sa chaussure. Ouais bon, on va se calmer, on va se calmer. Dis-moi, ils sont où les Skibidi toilettes là? Par là, je les ai eus par là, mais... Bon, en fait, tu vois, je comprends pas. Cette ville, elle est censée être protégée par les caméramans, ils sont passés où? Bah les caméramans, je sais qu'il y en a un ou deux qui habitent à côté de chez moi. Mais je sais pas, au pire on ira les voir après. Ouais, tu m'amèneras vers eux. Ouais, de toute façon je sais où est-ce qu'ils habitent. Par contre, avant ça, je vais vérifier s'il y a des Skibidi toilettes et voir si tu as pas menti, hein. Eh bah vas-y, je t'en prie.
Bon, les amis, je suis sûr que ce personnage-là me ment. Pour l'instant, je vois pas du tout de Skibidi Toilette, quoique... Oh, oh non. Il y a des Skibidi Toilettes, les amis. Il leur reste... Oh, les amis, il y a des Skibidi Toilettes qui sont en train de se balader. Oh, monsieur, aidez-moi. Ah bon, ah bah maintenant tu veux mon aide alors que tu me croyais même pas. Si, maintenant je vous crois. Vous avez pas une petite arme? Bien sûr, je peux te la passer, par contre elle sera peut-être un peu grande. Ouais, bah normal. Vas-y, passe-la moi. Wow, oh ouais, c'est vrai qu'elle est gigantesque. Hop, je la récupère. Alors, ouais, je l'ai récupérée. Il te faudrait peut-être des munitions. Bah, s'il y a plusieurs Skibidi Toilettes, évidemment qu'il me faut plusieurs munitions. Alors, attends, je les ai jetés. Laisse-moi juste les retrouver. Ok, ça marche. Bon, les amis, on va essayer de voir ce qu'il a derrière lui. Mais j'ai l'impression que c'est des... Oh ! Attendez, c'est quoi ? C'est une fusée, le truc ? C'est quoi ? C'est un bazooka ? C'est... Monsieur, c'est quoi les espèces de missiles que vous avez derrière vous ? C'est simplement des gros missiles ZK-40. Boum pour défoncer du Skibidi Dob, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais faudrait plutôt éviter d'utiliser ce genre d'arme. Vous risquez d'exploser la ville, dont ma maison et moi en fait. Pas de soucis, tant que c'est pour tuer des Skibidi, c'est bon. Non. Moi je suis pas un Skibidi, de base vous êtes censé protéger tous les villageois, tous les gens normaux, les gentils. Oui, mais c'est justement pour ça que je les tue, les Skibidi Dob. Parce que sinon c'est eux qui détruiraient la ville. Et beaucoup plus que ça. Oui, mais si vous tuez les Skibidi Toilettes, vous tuez pas les citoyens. Hein. Mais non, pas de soucis, vous pouvez me faire confiance. Ok, bon, allez, c'est parti, on part à l'attaque les amis, on va déjà tuer les derniers Skibidi Toilettes qui restent. Voilà, allez, hop, toi tu prends ça. Voilà, on l'a buté. Ensuite, ici, là il y en a un. Allez, toi tu prends ça aussi. Ok, let's go. Regardez, là il y en a un troisième. Ok, est-ce que vous en voyez d'autres? Bah, je crois que j'ai tué tous les Skibidi Toilettes. Non, il y en a un par là-bas. Où ça? Là, ici, juste là. C'est quoi? J'en fais mon affaire, viens voir. Ok, je vous regarde faire. Ah ouais, d'accord. Vous parlez pas chinois, vous l'explosez direct en 1000 morceaux en fait. Exactement, je perds pas mon temps. Ah oui, d'accord. Bah vous avez bien raison, hein, parce que eux ils sont méchants et vous devez bien les exploser. Voilà, pas le temps de niaiser. Voilà, pas le temps de niaiser comme vous dites. Bon, du coup je pense que c'est bien vous qui a été aperçu dans cette ville et vous m'avez toujours pas donné votre nom. Vous êtes qui? Je suis le Titan, caméraman. Le Titan caméraman? Ah non, pas caméraman. En fait, j'ai des caméras, mais je suis surtout un speakerman. Un Titan speakerman. C'est vrai que... En fait, vous avez le corps d'un caméraman, mais vous avez une tête de haut-parleur, donc vous vous appelez speakerman. Exactement. Et vu que vous êtes grand, on rajoute le mot Titan. Voilà. Ah ouais... C'est moi le boss ici, c'est moi le plus fort. Je contrôle tout le monde, je dirige tout le monde. Oh, vous êtes le boss des caméramans et des speakermen? Exactement, et c'est bien pour ça que je me demande pourquoi il n'y a aucun caméraman dans cette ville pour venir tuer ces Skibidi Dob. Bah, au pire, je vous emmène dans leur base secrète et vous les recadrez vous-même, hein. Ah, pas de soucis, j'en ferai mon affaire. Ouais, je pense que... Ouais. Donc, vous savez quoi? Venez avec moi, je vais vous y emmener. Voilà, bah, du coup, je vous laisse me suivre. Par contre, là, il y a un peu de feu, donc ce qu'il va falloir faire, c'est quand même appeler Marcus, sauf que Marcus n'est pas dans cette ville. Bon, vous savez quoi? On va éteindre le feu avant qu'il se propage. Donc, n'hésitez pas à m'aider, hein. D'accord. Voilà, on enlève tout le feu, les amis, avant que ça se propage. J'ai pas du tout envie qu'il y ait des grosses flammes et tout. Voilà, déjà qu'on a une grosse vague de chaleur. En plus de ça, s'il y a des flammes... On risque de mourir, quoi. Voilà, hop. Allez, on enlève les dernières flammes qui restent. Hop, allez, vous dégagez. Aïe, vous m'avez fait mal, monsieur. Ah, mince, excuse-moi, j'ai tapé un peu à côté. Oui, bah, vous avez tapé dans mes fesses, hein. Voilà. Ok, bon, bah, c'est bien. Nickel. À présent, je vais juste récupérer ma voiture. Parce que moi, je suis pas comme vous. Je peux pas bombarder.
Donc, je récupère ma petite voiture. Allez, c'est parti. On est dans notre petite voiture. Ah, j'ai du mal à tourner. J'ai toujours du mal à tourner. Aïe! Ok. Ça jurait de passer votre permis. Non, mais monsieur, j'ai mon permis, hein. Ouais, je crois pas, hein. Je vous dis que si, j'ai mon permis et... Moi, on m'appelle le pilote. Ah, carrément. Je crois que les gens, ils sont un peu hypocrites, hein. Oui, bon, dosez, monsieur. Allez, venez avec moi. Ok. Je vous suis. Donc là, comme vous pouvez le voir, à gauche, on a le McDonald's. Vous connaissez le Grima Shake. Évidemment. Ouais, bah du coup, vous pouvez venir manger chez lui. Donc c'est juste ici. Et juste ici, là, vous avez la base secrète des caméramans. Par contre, il y a un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que la base secrète, elle est faite pour les gens de taille normale, de normaux. Mais vous, vous êtes un peu trop grand à mon goût. Ah mince. Oh, ça veut dire qu'il faudrait que je me rapetisse. Oui, alors... Sauf que il y a un petit problème. Oui, c'est quoi le problème? Actuellement, je peux pas me rapetissir. Ah. Bah du coup... Ah oh, au pire, j'ai une idée. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est que je peux essayer de vous trouver un champignon bleu. Et si vous mangez ce champignon bleu, c'est un peu comme dans Mario, vous pouvez devenir tout petit. Oh vraiment? Ah oui. Bah nickel, allez me chercher ça. Je crois que c'est un champignon rouge exactement. Okay. Rouge? Ouais, un champignon rouge. Ouais, parce que si je vous passe le champignon bleu, vous avez risque d'être super minuscule. Bon, les amis, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit champignon dans les parages, sûrement à côté des arbres. On va essayer de voir de ce côté-là. Oh, oula, je suis tombé. On va essayer de voir dans cette petite forêt s'il n'y aurait pas un petit champignon rouge. S'il y a un bon petit champignon rouge, je le récupère et je lui donne au speakerman. Hop, non, on n'a rien du tout. Là, on a des fleurs rouges, fleurs jaunes, c'est pas ce qui nous intéresse. Et si je passais de l'autre côté, peut-être qu'on pourrait trouver des champignons rouges. Là, en plus, il y a de l'herbe et tout, donc il y a de grandes chances. Alors non, il n'y en a pas du tout ici. Ouais, il y en a pas du tout. Speakerman? Ouais. Vous, de votre côté, vous avez trouvé quelque chose? Non, rien du tout, et puis je vois pas très bien. Vous voyez pas très bien? C'est vraiment petit, en fait. C'est quoi? C'est un champignon de quelle taille? Il doit être vraiment petit. Oui, oui, il est tout petit, vous avez juste à manger ça, et c'est comme dans Mario, vous redevenez petit. Oula, non, franchement, j'ai pas vu. Vous savez quoi, les amis? Au pire, c'est pas grave. Je vais essayer de voir si dans la base secrète des caméramans, il n'y a pas une petite potion pour... Ah, regardez. Donc là, il y a des potions. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coffre? Oula, ça c'est quoi ça? Ok, c'est la salle de bain. Ici, on a une salle de potions. Ah là, regardez. Il y a des potions qui sont rangées. Ok, j'en récupère une. Ok, les amis, regardez. Je viens de récupérer une potion... Et je crois que c'est une potion pour devenir petit. Ouais, c'est bien ça. Ok, je pense que ça fait le taf. Speakerman! Ouais. Vous avez juste à boire cette potion là. Ah, parfait. Hop. Blablabla. Oula, je me sens pas bien là. Vous êtes sûr que ça va aller, monsieur? Vous êtes sûr que c'était la bonne potion? Attendez, je vais finir la potion. Ouais, bah faut. Ah! Oh, waouh, c'est... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être petit. Bah alors, Speakerman, maintenant on fait la même taille que moi? Commence pas à te plaindre parce que je vais m'énerver. Bah, même si tu m'énerves, regarde, on fait exactement la même taille et je suis pas sûr que... Ah, quoique, il y a ta tête fusée derrière toi et tout. Non, je vais me calmer. Non, c'est bon, rebuvez la potion et redevenez petit, s'il vous plaît. Bon, du coup, venez avec moi. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, c'est la base secrète des caméramans. Hein. Il y a plusieurs caméras. Beaucoup de caméras, c'est bien. Ils ont bien appris à l'école des caméramans. Voilà. Et du coup, vous faites alliance avec eux, si je comprends bien. Exactement. Ok. Bah voilà, du coup, là, vous pouvez faire comme chez vous. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun caméraman. Je crois que les derniers sont sûrement morts dû au nombre de Skibidi Toilettes, au nombre de Skibidi Toilettes qu'il y a dans la ville. Mmh. Et voilà, donc je vous laisse faire le nécessaire.
Normalement, il y avait une machine à caméraman. Je crois que c'est... Ouais, c'est ici. Voilà. Donc là, vous pouvez créer une armée de caméraman. C'est vous qui voyez. Ah, parfait. C'est exactement ce que je vais faire. Et on va défendre cette ville de tous les Skibidi. Ouais. Parfait, parfait. Du coup, Speakerman. Ouais. Vu que maintenant je vous ai emmené dans votre base secrète, c'est bon, je peux rentrer chez moi? Non. Tu vois, étant donné que les caméramans ne sont pas là, je pense que je vais les remplacer et que je vais devoir faire tout le boulot par moi-même. Donc, faudrait peut-être redécorer un peu cette base parce que c'est pas que j'aime pas les caméras, mais je préfère quand même les speakers. Ouais, d'accord, bah bon courage. Non. En fait, tu vas m'aider, tu vois. Ouais, bon. Vous savez quoi, vu que c'est pour la bonne cause, que vous êtes là contre les Skibidi Toilettes qui sont super méchants, bah je vais vous aider. Parfait, et bah du coup tu vas prendre ça et tu vas les poser à la place de caméra. Oh, mais c'est exactement votre tête, regardez. Je le sais très bien, enfin presque. Ouais, à peu près, c'est presque la même chose. Ouais. Bon, du coup c'est des speakers aussi. Vous voulez que je les mette où, dans la maison ou à l'extérieur? Plutôt à l'extérieur, mais laissez quand même des caméras parce que c'est toujours important les caméras. Ok, ok. Bon, les amis, on va faire en sorte de... Oula, alors juste poussez-vous un peu. Voilà. Hop, c'est parti. Donc on rajoute quelques haut-parleurs là pour faire comprendre que c'est bien la base secrète de Speakerman. Regardez ici, c'est plutôt pas mal. Ah, mais oui, c'est parfait. Comme ça, je pourrais mettre de la musique à fond. Ah ouais, vous pourrez mettre de la bonne musique. Hey, la bonne musique des caméramans. Ok, je rajoute quelques speakers devant pour faire comprendre que Speakerman habite ici aussi. Voilà, on en rajoute vraiment pas mal. Voilà, et on va mettre aussi une ligne ici. Ouais, je pense qu'on va faire une petite ligne comme ceci. Et ça fait largement le taf. Je pense qu'on va également rajouter cette espèce de radio là au-dessus. Voilà. Je pense que ouais, ça fait, c'est un peu plus stylé. Hop. Et hop. Je crois qu'on va en mettre deux derniers là. Voilà. Parfait, merci. Ouais, c'est maintenant cette base est la mienne. Et la prochaine fois que je les revois, ces caméramans, ils auront affaire à moi. Parce que là, comment ils peuvent abandonner une ville comme ça? Bah, c'est pas qu'ils ont abandonné une ville comme ça, c'est juste qu'ils ont perdu face aux Skibidi Toilettes. Ils étaient pas assez forts. Mais les caméramans ne sont jamais censés perdre. Nous sommes les meilleurs. Oui, bah, là, on dirait que non. Hein. Je ne te permets pas de dire ça. Tu verras, on défendra cette ville de tous les Skibidi Dop. On fera une grande guerre. Et tu verras, cette guerre, on la remportera. On a perdu seulement les batailles, mais pas la guerre.